La fête de la Toussaint, considérée comme une fête catholique, est célébrée chaque 1er novembre de l'année. C'est à ce titre que le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré-Paca, soucieux d'honorer la mémoire de tous ceux-là qui nous ont précédés sur le chemin de nos retours, a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs au pied de la stèle du cimetière municipal de Vindoulou. Cérémonial au cours duquel plusieurs autorités politico-administratives et militaires de la place ont pris part. Dans la même veine, Madame le maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tichélé-Mouipouati, s'est réjouie de la bonne tenue de cet événement à travers et tous les cimetières de la cité océane. Une belle occasion aussi pour moi, maire de la ville de Pointe-Noire, où nous avons tenu à faire que le mouvement soit réalisé, c'est-à-dire la totalité des lieux. Vous savez, il faut beaucoup de moyens et je pense qu'avec le temps, avec le mandat, beaucoup de choses vont être réalisées. On va améliorer la ville parce que Pointe-Noire doit devenir. C'est donc dans la paix et la quiétude que cette fête, réservée à se souvenir de nos morts, a connu droit de cité à Pointe-Noire. L'occasion pour plusieurs familles d'aller s'incliner devant les différentes tombes, revêtues de leurs plus belles robes pour la circonstance.